Salut tout le monde, c'est Dark Izay. Et on se retrouve pour la suite de The Legend of Zelda A Link to the Past. Et comme je l'avais annoncé dans les vidéos précédentes, c'est parti, on va attaquer le premier donjon de ce jeu. Hein, après tant d'attentes. C'est parti, le premier donjon. Et cette vidéo, je vous le dis, ne concernera que le premier donjon. Je ne ferai rien d'autre, normalement, que juste le premier donjon. Bon, vous voyez que ça s'approche trop des statues et ça allume. Donc les armos, hein. Monstre classique et récurrent dans les Zelda. Alors le garde, je le bloque. Hop. Et on va passer. Voilà, le premier temps. Donc le palais de l'Est. Bon. Alors, faut que je m'en rappelle parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Donc voilà, c'est verrouillé. Enfin, verrouillé non, mais il n'y a pas de chemin. Logiquement, là-bas non plus. Ouais, voilà, c'est ce que j'ai compris. Allez, c'est parti. Le premier temple. Donc là, voilà, vous avez vu, il y a des petits, il y a des petites ouvertures sur les côtés pour s'y cacher. Et il faut éviter les projectiles tout en allant en haut. Alors, attends, est-ce que je me rappelle? Je crois que par là, il y a les coffres. Voilà. Sans rubis. Un bon début, hein. Voilà, alors c'est bien ce que je pensais. Hein. Le maximum de rubis, c'est bien 999. Bon, 999, c'est parfait. Donc, on a vu des nouveaux ennemis, hein, donc les statues. Là, il y aura des nouveaux ennemis, voilà, les squelettes. Et il y en aura encore d'autres qui sont... Ah, moi, je vais vous laisser découvrir. Hein. Je ne vais rien vous dire. Ceux qui ne connaissent pas A Link to the Past, je vous laisse découvrir. Bon, alors, les squelettes sont assez chiants parce qu'ils reculent chaque fois qu'on les attaque. Le seul moyen pour les avoir... Enfin, un bon moyen pour les avoir, c'est d'utiliser le boomerang. Voilà. Donc là, il faut trouver le bon. Enfin là, il fallait trouver le bon pot, je crois, pour actionner la porte. Ah non, mais en fait, il fallait le faire pour. Il faut tuer tous les ennemis. Donc bon, énigme très classique des Zelda, hein, toujours tuer des ennemis pour accéder à la salle suivante. Alors, tu as trouvé la boussole. Grenette, tu peux repérer la planque du diabolique maître du donjon. Ouh, j'en frissonne. Donc, je risque de faire des allers-retours, mais je veux vraiment tout visiter. Alors, cette pierre-là, elle sert à communiquer avec le sage, hein, Sahasrara. Link, c'est moi, Sahasrara, je peux te parler par télépathie quand tu touches cette dalle. Voici un indice. Tu peux utiliser le trésor caché dans ce palais pour vaincre les ennemis coriaces. Et c'est pas anodin ce qu'il dit, c'est... Ça sera... Ma foi, important pour la suite. Alors, en fait, ça c'est un raccourci pour un autre passage, mais là, j'ai fait le con un peu. Donc, les nouveaux ennemis qui parlent, c'est ceux-là. Parce que voilà, bon, on peut utiliser les jarres, mais normalement, on a utilisé un autre objet pour les vaincre. Donc là, le gros coffre. Hein, ce sera mis à clé, si tu avais la grande clé, tu pourras l'ouvrir. Eh oui, là c'est pas comme dans les autres Zelda, donc c'est pas comme Karina et tout ça, Ocarina of Time, Majora's Mask. Ma foi, le gros coffre, on ne peut l'ouvrir qu'avec la grande clé. Donc ça rajoute un peu de challenge. Alors, allez dans sauter dans ces espèces de pots, parce que, voilà, il fait... La mettre dans un flacon, par contre je vais lâcher la bombe. Voilà, et je vais mettre la fée. Moi, ça si je meurs, c'est bon. Donc voilà, deux fées, ça c'est parfait, au cas où je meurs. Ce qui risque de... Bon, peut-être pas dans ce premier donjon, mais ça risque d'arriver. Bon, continuons. Alors la salle plongée dans le noir avec ces affreux monstres. Donc voilà, interrupteur qui a déclenché les portes.
Ah là, il me faut une clé. Ok. Ok, on continue. Donc là, toujours plongé dans le noir. Alors normalement, ça doit être un des squelettes qui a la clé. Alors ça doit être un des pots, je sais plus. Ah, voilà, c'était sous un pot. Bon. Bon, désolé si je parle pas beaucoup, c'est que j'essaye de surtout de me rappeler le temple, puis ça se fait. Mine de rien, ça fait pas mal d'années que je n'ai pas joué à Link to the Past et le temple, je m'en souviens pas très bien. Enfin, tous les temples en général. Alors. Ah oui, donc normalement ici il y aura la grande clé, si j'ai des bons souvenirs. Alors je vous recommande d'abord d'éliminer les petits vers. Ils vous poseront beaucoup moins de problèmes. J'ai fait. Voilà, parfait. Allez, viens. Voilà, et la grande clé. Parfait. Alors bon, la boussole, hein, comme d'habitude dans les Zelda, indique bah, la salle du boss et les coffres. Donc voilà ce que je vous avais dit, hein, ces monstres-là font très mal. Enfin, si c'est dit, ils font mal, mais en plus de faire mal, ils nous prennent de la magie, donc extrême prudence. Donc, maintenant que nous avons la grande clé, écoutez, ce qu'on va faire, c'est ouvrir le grand coffre, normal, et on trouve l'arc. Voilà, tu as trouvé l'arc, tu peux tirer des flèches jusqu'à ce que tu n'y aies plus. Par contre, évidemment, le trésor est protégé, hein. Donc là, prudence, parce que ces espèces de têtes là, on peut pas les vaincre, on peut juste les repousser, donc attention. Et voilà, maintenant avec l'arc, je peux dégommer plus facilement ces monstres là. Bon, pour quand même dire d'avoir avoir complété le donjon à 100%, j'ai quand même allé prendre la carte qui était au tout début. Alors oui, je fais des allers-retours, mais franchement, c'est nécessaire, quoi. Parce que bon, dans un donjon, enfin, dans un donjon de Zelda, sans la carte, c'est chaud. Vas-y, il apparaît bien sur moi. Par contre, j'ai l'impression que il prend plus de temps pour tirer avec son arc. C'est assez chiant, quand même. Contre un petit cœur là, ça ferait pas du mal. Sinon, bon, j'ai encore mes deux fées, mais j'ai pas envie de les gaspiller bêtement comme pour ça. Donc, bon, un conseil aussi, ne abusez pas des flèches, hein, comme je le fais. Parce que même si on en a pas mal de munitions, ça part assez vite. Alors. Ah oui, je l'ai pas dit, mais écoutez aussi la musique du temple, bon, un peu répétitive à la longue, mais là je la trouve franchement pas mal. Ça me met bien dans l'ambiance, je trouve. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ils sont chiants ces squelettes. Voilà. Par contre, par quel chemin je dois aller? En haut ou en bas? Voilà, en bas d'abord. Ok, rien. Normalement, il n'y a rien. Bon, là, faut trouver. Hop. Le passage. Et normalement, c'est la carte. Voilà. Alors, au moins, bon, là, il appelle le plan, mais c'est la carte. Voilà, au moins on a le plan, on peut déjà se repérer, ce qui est beaucoup mieux. Ah si, il y avait des pots. Ah ça, je savais pas, alors par contre. J'ai jamais su qu'il y avait des pots là en bas. En même temps, on peut pas vraiment le savoir. Hein.
Bon, alors maintenant, on va continuer vraiment le temple, hein. J'ai récupéré tout ce que j'avais à faire. Bon, il est très très court, hein, c'est vrai. Mais bon, voilà, en même temps, c'est le premier temple aussi. Les prochains seront nettement plus longs, normalement. Surtout le... C'était quoi, c'est... Le deuxième, il va être assez long quand même. Je me rappelle pas qu'il y avait autant de squelettes. Voilà. Hop, on continue. Alors j'espère que vous entendrez bien ma voix et le son du jeu aussi. Et je le redis encore, hein, mais n'hésitez pas à commenter, pour dire si c'est bien, si c'est mal, s'il vous plaît, n'hésitez pas, parce que bon, si vous ne faites que regarder, d'un côté je suis content, mais bon, je me dis, bon, ils regardent, mais peut-être qu'ils aiment pas, enfin, je sais rien, quoi. Donc, commentez. Ouais. Voilà, je vais quand même éclairer, pas envie de me retrouver à l'aveuglette. Bah, hé! Flèches, ça va. Vérifions qu'il n'y a rien. Ouais, ça doit pas être par là la suite. Enfin, du moins, je ne crois pas. C'est comme ça. Ah oui, je m'en rappelle. Ça, les richesses. Bon, c'est dangereux, c'est clair. Mais une petite salle avec des rubis. Bon, je prends pas le tout, je prends un peu le max que je peux. Donc bref, je le redis, hein, n'hésitez pas, commentez. Ça ne peut que m'améliorer, franchement. Vos commentaires ne peuvent que me faire plaisir. Alors, encore une fois, système d'interrupteur. Voilà, bon, les flèches, j'en ai assez. J'ai jamais compris, à chaque fois ça me faisait ça, hein. Chaque fois que je jouais, il y avait toujours deux. Il y en avait toujours deux qui se réveillaient. J'ai jamais compris pourquoi. Plus. Voilà. Normalement, ça va être cet interrupteur-là. Non. Ah, voilà. C'est celui-là. Bon, alors là, faut trouver le bon interrupteur sans se retoucher par tout ça. Non, pas celui-là. Non plus. Ah, c'est bon, on a trouvé. Et là, on est juste devant la salle du boss. Alors, les soldats rouges sont plus puissants, hein, que les verts. Voilà, ils résistent. Et on ne les tue pas avec une flèche, mais avec plusieurs. Je crois que c'est 3. Et le premier boss fait une cette fois-ci. Voilà. Bon bah, monstre fail. Ah putain. Voilà, le premier, hop. Là par là. Bon. Avant de me ramasser un gros vent, ouais, c'est bon. Prochaine salle, le boss. Allez, c'est parti. Voilà. Donc le premier boss, écoute-moi le thème du boss. Hein. Donc le but c'est quoi? Eh bien il faut tirer sur eux, hein, tout simplement. Voilà. Ou on peut utiliser l'épée sur le côté. À vous de voir. Là ils vont se mettre en ligne. Bon, ça va, franchement, ils enlèvent une moitié de cœur. Voilà, plus que deux. Et voilà, là, il devient rouge et il fonce sur nous. Bon, là, franchement, très facile, hein, comme boss. Bon, on peut utiliser l'arc. J'ai envie de torturer un peu. Voilà.
Et donc maintenant on a 5 cœurs et voilà le pendentif du courage. Et écoutez-moi cette superbe musique. Franchement énorme, j'adore cette petite musique. Tu as gagné le pendentif du courage, apporte-le à Sazrala, il reste encore deux pendentifs. Ching! Et voilà. Donc voilà, on a le premier pendentif en poche. Le pendentif du courage. Je vais retourner voir mon ami Sazrala. Et bah, je vais vous quitter là pour cette vidéo. Bah oui, bon, bah, ça fera court, je sais. Mais voilà. Donc voilà. Oh, tu as le pendentif du courage. Aussi, je vais t'en dire plus de la légende. Il y a longtemps, un ordre de chevaliers protégeait le royaume d'Hyrule. Ces chevaliers étaient aussi les gardiens du pendentif du courage. Malheureusement, la plupart d'entre eux furent tués pendant la grande guerre contre le démon qui éclata quand les sept sages créèrent leur sceau. Des descendants des chevaliers d'Hyrule, un héros doit surgir. Bien, Link, j'ai foi en toi. Tu devrais récupérer les autres pendentifs. Prends cela avec toi. C'est un trésor qui s'est transmis dans les familles des sept sages. Je veux qu'il soit tien. Tadam! Les bottes de Pégase. Il t'a donné les bottes de Pégase. Maintenant, tu peux lancer une attaque éclair dévastatrice. Maintiens appuyé le bouton A un court instant. Un objet très utile est caché dans la grotte à l'est du lac Ilia. Va le chercher. À l'est du lac Ilia. Ah, c'est. Bah, ça doit être la baguette de glace alors. Visiblement. Étant donné que le lac Ilia, c'est ça. Logiquement. Ça doit être ça, ouais, ça doit être là-bas. Bah, ça doit être la baguette de glace, hein. Je dois l'avoir déjà. Donc voilà, maintenant, sur le plan, nous avons bah, les différents pendentifs. Donc, le bleu, c'est celui de la sagesse. Le rouge, celui de la force. Et l'épée, bah, qui est dans la forêt, bien évidemment, c'est l'épée de légende. Et bien voilà, écoutez mes amis, pour ce troisième épisode de Zelda, le premier temple, je vais vous quitter là. Ah oui, je vais vous montrer les bottes de Pégase. Voilà, hop. Franchement, très utile, hein. Donc ces bottes-là me serviront à aller prendre un quart de cœur. Je pense que la prochaine vidéo, ce sera surtout la collecte de certains quarts de cœur dont je me rappelle la position. Et puis, écoutez, bah, voilà. Donc, moi, je vous quitte là. Je vous dis à bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu. Prenez soin de vous, tout le monde, et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à commenter mes vidéos. Ça ne peut que m'améliorer et me faire extrêmement plaisir. Voilà. Bonne journée à tous, bon week-end et à bientôt. Allez, ciao.